Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfla et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour où on va tenter un top 1. Bienvenue dans les 24 heures top 1. Et aujourd'hui les amis, je suis en pleine forme comme toujours évidemment, mais aujourd'hui qui dit nouveau jour dit nouveau skin. Et aujourd'hui nous allons faire honneur à un skin que je n'ai jamais utilisé il me semble. C'est celui-ci, le marin contre Ressac. Donc nous allons l'utiliser lui pour cette vidéo. Alors lui il me semble que son sac c'est celui-là. Je pense pas me tromper. Voilà. Donc on va tout mettre à sortie. C'est celle-là. Oh, en tout cas une bonne petite musique pour rentrer là. On sent l'enjoie. On est là. On est présent. Parfait. En tout cas c'est bien cette petite musique. Oh le chevalier araignée est à 2000. Intéressant. Faudrait que je tente d'avoir un nouveau skin. D'ailleurs celui araignée me tend très bien. Mais bon, je n'ai pas encore assez de sous-sous. Donc ce sera pour plus tard. Parce que je choisis les skins selon ceux que je surkiffe. Donc voilà voilà. Bon allez, trêve de bavardage les amis. Sur ce on est parti. Alors j'ai regardé le chrono de la dernière vidéo. Donc le jour 3. Puisque nous sommes dans ce quatrième jour. Il me resterait approximativement 21h30 pour tenter un nouveau top 1. Donc on a encore du temps. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer ici. Je croise les doigts. Et puis, ben, on verra. Hein. Moi, j'espère qu'on va faire un top 1. Surtout que la dernière fois qu'on était sur Fortnite, ben, c'était, on va dire, à moitié glorieux. Le deuxième jour, c'était bien. Et puis le premier jour, bah, c'était le fameux jour où j'ai fait le fameux top 1 sans kill. le top 1 offert par Epic Games. D'ailleurs, merci. Mais ici, j'ai envie que ça soit clean, propre. Et si je dois faire un top 1, j'ai envie qu'il soit clean. Aussi clean que mon tout premier top 1 que j'avais fait sous cette chaîne. Voilà. Bon, l'écran de chargement, évidemment, comme toujours. Et le chrono ne se déclenchera que lorsque je serai in-game, c'est-à-dire quand la partie... Quand celle-ci, donc cette première partie, sera en route et lancée définitivement. Alors aujourd'hui, je regarde le chrono. À mon avis, ça sera un peu pareil que dans la dernière vidéo. À mon avis, je vais en avoir pour une bonne heure, à mon avis, ici. Je crois que je vais avoir une heure. Une heure et demie, grand maximum de vidéo. Bon, j'espère que ça va pas prendre des plombs. Il reste une personne. Voilà. Ah, ben ça se déneige tout doucement par ici. Ben alors, les amis... On va regarder la stratégie habituelle. On va sur Pleasant Park. On ne change pas. On va faire comme d'hab. Croisons les doigts. Et on est parti officiellement pour retenter un nouveau top 1. C'est parti. Soul, j'aimerais bien vraiment faire le 20e top 1 de la chaîne. Étant donné que nous sommes en 2020. Et 20, ça rime avec 2020. Voilà. Elle était facile celle-là. Allez, t'y es presque, allez. Mon petit marin du ressac, allez, t'y es presque. Ouh, il y en a un qui a le parachute de l'octuple contre Scratch, là, en bas. Et à mon avis, il va sur la maison bleue, qui va me piquer. Quoique, non. Il n'y a jamais personne qui va dans la maison bleue. C'est étrange, à part moi. J'ai de la chance. Enfin, je vais pas parler trop vite, on sait jamais. Parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui va se ramener, je vais rien comprendre. Et je vais me faire haritiriser ou martyriser, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va faire mal. Bon. Allez, dépêche-toi de descendre, dépêche-toi. Il y a une arme là, non? Non. Eh non, pas d'arme, génial, ça commence fort. Ah, canne à pêche, génial. Pas d'arme, génial, bon. Coffre. Bon, je me casse tout de suite.
Je vais pas rester des plombes ici. Je vais pas tenter le diable. Personne derrière moi. Moi que je pourrais tenter le coffre. Hein. Je sens très bien le coffre. Deux secondes, je vais attendre un petit peu. Personne derrière moi, rassurez-moi. Ouais, personne. Oh, j'ai envie de faire une folie. Est-ce que je le tente, le coffre en plein milieu? C'est la trappe couillon, mais j'y vais. J'y vais. Ah, attaque. C'est la trappe couillon, je sais. C'est peut-être une grosse bêtise que je suis en train de faire, mais je vais le faire. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouh, les inconscients! Il y a quelqu'un là. C'est bien. Occupe-toi de l'autre, moi, il n'y a pas de souci. Et j'ai bien fait, il y a le snipe. Ok, je dégage maintenant. Là, c'est sûr, je dégage. C'est ce qu'il me fallait. Il me fallait le snipe. Maintenant, il me faut du shield et ça serait bien. Et en plus, je me dirige vers la zone. C'est très, très bien. Bon, on a eu un moment de stress. Je me suis dit, est-ce que je lui tire dessus ou pas? Et je me suis dit, finalement, on va le laisser. Pour se fait comme il faut. On va pas tenter le diable. Bon, on va faire comme d'hab, on va aller par là. Hein. Les parties se ressemblent. Écoutez, j'allais dans cette zone-là. Hein. C'est une zone que je mets... Ah, il y a des armes, là. Armes, et on dirait qu'il y a du pansement. Ah, il me faut du shield. Bah écoutez, je vais plutôt aller par là. Je vais monter tout là-haut. Il y a quelqu'un là, non? Exact, il y a quelqu'un. Au revoir. Oh, oh non, hein. Ah oh, si, y en a un dans le dos. Ok, je dégage. Il fallait qu'il y en ait un dans mon dos. Hein. Allez. Hop. En plus, il a du bon stuff. Faut que je presse, je me rue dessus. Oh, oh, va se calmer l'autre. Tu veux jouer au malin? Attends, je t'ai en snipe. Je suis pas là. Oh, va se calmer l'autre. Ok, je dégage. Démerdez-vous entre vous deux. Démerdez-vous. Je vous laisse. Se calmer enfin. On rentre là, on va être de l'or dans le stuff. Un pansement. Il manque du shield, hein. Ça, ça va être embêtant. C'est très bien comme ça. Ok. On y va. Bon, un petit kill. Et à un moment donné, là, j'ai voulu le tenter, mais il a l'air un peu chaud, chaud. On va venir par ici, de toute façon. Donc, c'est de prendre une maison avant lui. Ok, celle-ci, elle est sur les îlets. La zone. Il y a quelqu'un. Là. Il m'a vu. Génial, il y a plein de monde partout. Ouh, je t'ai trollé. Hop, quelqu'un.
t'attends. Cambre. C'est chaud. Oh, il y a la zone qui arrive. Trop tard. On va aller vers lui. Tant pis. Ça, il me faudrait du shield, un kit, je sais pas, mais il faut autre chose. Oh, c'est tendu cette partie. C'est vachement tendu. Une bêtise. Oh, oh magnifique. On va au pif. Bon, je crois bien que je suis obligé d'avancer, hein. Oh, en tout cas, le kill que j'ai fait. Mais c'est bizarre qu'ils ne se sont pas tués, hein. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Je sens le complot. L'autre, il est là-haut. En attendant, qu'est-ce que je l'ai bien tué. Oh, que c'était magnifique ce kill au sniper. Là, il est là. Fuck. Il m'est encore passé pas loin, le salergouin. Je suis obligé de passer par là, donc je vais l'avoir face à face. Pas ça. Je suis pas dans un endroit où il faut. Oh bordel, c'est loin en plus la zone. Bah ouais, je vais terminer à le croiser, hein. Clampin. Joue la zone. Il devrait jouer la zone et il campe là. Je sais même pas où il est.
Bon, je vais être en hauteur, bon, c'est déjà pas mal. Ok. Il va être dans le coin, hein. Gardez bien le bazar. Il y a un kit là-haut. Fuck, il est là, hein. Mets le kit. Sinon tu vas trépasser. Petit sagouin. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Et la femme tuée en plus. Purée, il a du bon stuff en plus. Bon, on va d'abord soigner ça. Ça c'est un priorité. C'était encore chaud. Et je vais avoir du shield donc tant mieux. Ok, après, il va falloir que je me dépêche d'aller vers la zone finale. Bon. Fuck, il n'y a pas de munitions dessus. Si tu veux que je en fasse. Allez, on tient. On tient le coup, on tient. Ah non, faut voir, ça se trouve c'était un bot, mais franchement. Il y a quelqu'un. Oh non, hein. Oh non. Oh, c'est honteux. Je m'en doutais qu'il allait avoir quelqu'un là, je m'en doutais. Salopio. Bon, bah première essai raté. Mais franchement... Espèce de campeur. J'aurais dû le... Franchement, si j'avais une mission dans le bazooka, je te l'aurais lancé. Il m'a fait un kill au bazooka, j'en reviens pas. Il m'a tué au bazooka. Oh, c'est pas mérité, clairement, c'est pas mérité. Une game avec 5 kills. Et je me fais avoir par quelqu'un qui attendait là. Tout simplement. C'est dommage. Et il va... Oh l'imbécile. Et il va se faire éliminer. En plus, c'est fait prendre en tenaille. Il va se faire éliminer. Voilà. Bien fait. Ça t'apprendra de faire le clampin dans ta construction, là. T'étais peut-être bon, mais... T'as fait le clampin, clairement. Il n'y a pas plus clampin que ce lieutenant et PCA que j'ai croisé. Oh, c'est dommage, j'ai fait une game à 5 kills. J'étais bien tiré, mais là... Enfin, on peut pas être chanceux tout le temps, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, motivation. C'est déjà pas mal. C'était que ma première game et elle était déjà plutôt pas mal. Maintenant, faut continuer comme ça et... Le top 1, sera... peut-être que j'en ferai un aujourd'hui. C'est à voir. Ça va pas dépendre que de moi. Ça dépend aussi un peu de la chance. Bon alors, où est-ce qu'on va? J'ai envie de changer. On va aller à Slurry Swamp. On va se faire ça. On va aller à Slurry Swamp. Encore attendre un petit peu. Bon bah c'est chauffeur comme d'hab. Allez, let's go. On va se mettre sur notre point sûr. On va se mettre tout là-bas.
Oh, c'est dommage quand même. Une première game à 5 kills qui se termine sur un gars qui m'a détruit au bazooka, franchement. Mais si j'avais une munition au bazooka et que j'avais su qu'il était là, il faisait pas le poids, clairement. D'ailleurs, il a eu très très chaud. Il a eu très très chaud. Enfin, je crois. Ah là là, bah allez. Motivation. Cette partie-là est terminée, maintenant on passe à la seconde. On est presque arrivé. Non, déjà une grosse popote, ça me fait extrêmement plaisir. Oh, dès le spawn. Oh la chance. Une arme move dès le spawn. Ah oh, bah écoutez les amis, je vais faire la pupute, hein, excusez-moi. Non mais une arme move dès le spawn quoi. Ça m'est jamais arrivé ça. Oh c'est un signe. Grosse popote. Non, il y en a là. Alors la zone. Ok. Bon. Elle est tout proche, donc on va pas non plus se presser. Je pense que ça va être la partie la moins attrayante. Mais là, avec la chance que j'ai d'avoir une arme move dès le départ, je vais vous faire un petit stuff de famille. Alors là, je vais être bien paré. Et voilà, je suis à 100. Ok. Bon, on va aller vers la maison comme d'hab là-bas. Et puis on va aller faire les alentours. Hein. On garde la petite habitude. Bon, je m'attendais à mieux, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Bon, allons faire le tour des petites cabanes. En plus, ce qui est bien avec cette zone sur les sombres, c'est que c'est vraiment une zone où très très calme. Faut vraiment aller dans les entrepôts pour qu'il y ait quelque chose, sinon... C'est, franchement, si vous voulez vous stuffer, franchement, et que vous n'avez pas un niveau exceptionnel comme le mien, parce que je n'ai pas un niveau exceptionnel, je suis le premier à le dire, parce que je suis pas non plus un gars qui joue à Fortnite tout le temps, je joue occasionnellement et pour le fun et le plaisir en priorité. Donc, ah non, je trouve qu'il y a quelque chose. Bon. Coffre là-bas, parfait. Il me faudrait une petite arme, un mitrailleur, je crois que ce serait pas mal. Niveau 88, parfait, je gagne un niveau, encore. Oui, je sais, je ne suis pas niveau 100 ou 200 comme certains, mais... Comme je vous l'ai dit, je suis un joueur occasionnel et je joue vraiment pour le fun, pas pour la compète. Gros spot, je vais te la stocker. On va faire ça. C'est très très bien. On commence à avoir un beau stuff qui se dessine bien. Bon, 8 secondes, ça va se réduire. Mais je pense qu'on va avoir le temps de passer par là-bas. Et on va passer par là-bas. Ouais, on va avoir le temps. On va avoir le temps, ça va le faire. Elle est où la zone ? Ok, quand elle sera au niveau de du 7, là, il faudra que je commence à m'inquiéter. Là, pour le moment, j'ai pas lieu de m'inquiéter pour le moment. Elle arrive vite quand même. Hein. Mais quand elle sera au 7, là, je m'en irai. De toute façon, il y a des bateaux, donc... J'ai pas à m'en faire du tout. Bon, il y a un coffre là-haut. Bah, je crois que c'est le seul que je vais aller prendre parce qu'après il faudra que j'y aille. Ah, mission bazooka.
C'était quoi ça? Il y a des booms des fois qui se font. Je me demande des fois d'où ça vient. Bon, ok, ça je prends. Grosse boîte, on stocke. Bon, alors du coup, ça, hop, je vais faire ça. Ok, allez, let's go, on se casse. Il y a qu'il y ait du monde par ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Oula! Eh oh! Et je bug! Oh purée, j'ai bugué d'une force! Ah ouais, il y a le wifi qui a foutu le camp! Je comprends pas pourquoi j'ai bugué. Reprends vite ça. Et j'ai bugué quoi. Non mais sérieusement, pas maintenant quoi. Tonton, mais... Ah! Allez, pêche-toi. Non, je vais pas me la prendre. Bon là je descends. Quelqu'un se faire tuer devant moi. Allez, un au moins. Et je dégage d'ici parce qu'à mon avis, s'il était là, c'est qu'il y avait du monde. Il y a des mumus, on prend. Une arme qui est tombée d'en haut, ok. Oh non, mais... Les zones sont méga loin. Regardez-moi ça, où elle est l'autre. Bon, bah écoutez... je vais tracer vers cette zone-là, hein. Tant pis, je vais pas la fight, hein. Oh, mais elle est loin. Oh, qu'elle est loin, cette zone. Oh, purée, qu'elle est loin. Ouais, je l'ai déjà dit deux fois, je sais. Allez, encore une fois. Oh, qu'elle est loin. Parce qu'on dit jamais 203. Sinon ça porte malheur. Bon bah on va passer à travers toutes les montagnes, je crois que c'est le mieux à faire. Ah, bateau. Il y a un bateau qui est par là-bas à gauche. Il est là. Ah, et il y a quelqu'un là-bas. Le bateau est là et il y a quelqu'un que j'ai vu passer là-bas. Là en priorité c'est d'aller à la zone, clairement ça a construit là-bas, donc il y a du monde. Y a quelqu'un pas loin, c'est un bruit de XP ça là. Et devoir aller à fight contre lui. Il a du shield. Au revoir.
Oh, sniper move, parfait. Et il visait quelqu'un. Donc il doit y avoir quelqu'un en contrebas ici. Là. Et il a foutu le camp. Non. Il m'a pas encore vu. Non. Si, il m'a vu maintenant. Non. Non, toujours pas. Oh, on va se calmer là. Ok, bon, d'accord. Ok, ça va, je te dérange pas. D'accord, le gars, c'est Monsieur Sniper, d'accord. Bon, il m'a tué. Bon. Il était pas venu plaisanter, lui. Hein. Ah, deuxième essai non concluant. Alors, quelle heure il est par contre? Ok, j'en ai pour... encore une petite demi-heure, donc à mon avis, ça va peut-être être déjà ma dernière, voire avant-dernière partie, à mon avis. Je pense pas me tromper. Je pense pas. Ah, c'est dommage. J'aurais dû peut-être le laisser aller et l'avoir plus tard, je sais pas. Fait du bien toujours un petit peu coup d'eau. Moi je bois toujours de l'eau avant de recorder parce que ça me fait du bien et puis ça m'hydrate. Parce que j'ai souvent la gorge très sèche puisque je parle énormément. Bon allez, temps de chargement. Promenons-nous dans les bois. Ah, enfin. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On spawn où? On va où? On fait quoi? Bon. Ah, plaisante, il est là en fait. Bah, plaisante parc, hein. Allez, c'est parti. La maison bleue, elle est là, juste en dessous de moi. Let's go. Ouh, il y a du petit monde par ici. Faut qu'on m'aille à côté. Oh, une arme bleue. Ouh, ouh, ouh. Vite, prends-la. Oh non! Je suis encore tombé contre un bon, hein. Gardez-moi ça. Non! C'est quoi ce mec? Oh! Qu'est-ce qu'il a eu comme arme en bas, lui? C'était la partie la plus courte de l'histoire de la chaîne YouTube. T'inquiète pas, on se retrouvera, ange de mes fesses. Tu verras, le jour où je te retrouve, je te mets une bonne tête, tu vas voir. De toute façon, j'ai retenu ton pseudo, hein. Donc si jamais je te tiens, franchement, prépare-toi. Purée, il vient de me ruiner une partie, quoi. Je viens à peine de spawner, le gars. Je sais pas quelle arme il a eu, mais il m'a mis masse dégâts, comme ça. Normal. En deux balles. Moi j'en ai collé qu'une seule. C'est tout à fait normal. Bon allez, pas 3000 ans. Allez, allez. Bon, en attendant, on va se faire un petit concerto. Ah, enfin. Boum.
Slurry Swamp est tout près à chier. Et je pense que je vais aller à Slurry Swamp, tout là-bas. Ma zone sûre. Bon! De toute façon, je verrai bien s'il est encore dans cette partie. J'ai retenu son pseudo. Oh, si jamais je le recroise, je lui mets une tête. Et s'il a gardé le même skin, ça va être encore plus facile de le repérer. Bien. Allez, motivation. C'est peut-être la dernière partie, les amis. On va voir selon le chrono. Croisons les doigts. Parce qu'on n'est pas dégueu quand même. Le chemin qu'on a fait depuis Fortnite chapitre 1, il est énorme. C'est un fossé. Je me suis vraiment amélioré, donc... on peut pas dire le contraire. Je suis pas encore parfait, mais bon. Ah, il est là. Il est encore là. Il s'est fait miner. Ah, on a vu aussi vite. Je l'ai vu. J'ai vu son pseudo apparaître. Je vais te mettre une tête, toi. Un bon petit sniper dans la tête. Et c'est pas une blague. Je l'ai vraiment vu apparaître. Donc, il est comme par hasard dans le même serveur que moi, là. Là, le hasard fait bien les choses. Oh, il a intérêt à se préparer. Si je le croise et que c'est le même skin en plus, ouh, je vais lui mettre un sniper. Ouh, ça va pas être gentil. Bon, encore un champignon et on est bon. Voilà. Et on est en bordure zone, c'est parfait. Allons prendre du stuff, mais en tout cas, je ne vais pas beaucoup bouger. Je vais aller sur Weeping Woods, je pense que ça va se finir là. Parce que, attendez, si ça recommence là, logiquement, ça va... ouais, faut voir, on va attendre le rétrécissement de la première zone, et si jamais je vois que ça se rétrécit vers Weeping Woods, franchement, on va faire le clampin. Je vais prendre directement une maison, je vais me poster là, et je vais attendre. Je vais faire que ça, donc je m'excuse déjà pour cette partie qui va pas être extraordinaire. Bon, attendant, on va se casser tout ça. Parce que si on fait ce que je dis, il nous faudra des constructions pour avoir un bon point pour sniper, en espérant avoir un sniper, bien évidemment, ça va de soi. Il n'y aura plus de maison ici. Mais bon, tant qu'elle est là, autant qu'elle sert à quelque chose. Ah oui! Oh, quelle arme magnifique! Oh, quelle belle arme move! Oh, je suis en train de tout péter là. Je suis vraiment en train de tout péter. Et un piège. Ok. Bon, avant. Voilà. Allez, on va faire les petits tours des petits cabanons. On va voir au premier rétrécissement où est-ce que ça va être. Et après, bah, je commencerai à faire mes petits pronos pour savoir dans quelle zone on sera. Mais pour moi, vu comme c'est parti là, on va aller vers Weeping Woods. J'ai bien l'impression que ça va se finir sur Weeping Woods. Et du coup, je sais qu'il y a une très grande maison. Et cette grande maison, j'ai bien envie de la prendre. Parce que c'est un de ses points de vue. Je vous raconte même pas. Rosa pour avoir un maximum de constru, on va y aller aussi. On va pas là-bas complètement, sinon je vais me faire opérer. Ouais. 252 de bois,
c'est plutôt pas mal. Faudrait encore un tout petit peu et ça serait pas mal, et voir mieux si en farmant bien peut-être qu'il y a moyen que j'améliore des armes à des ateliers de Slurry Swamp. Ah ben voilà, j'ai une bonne idée. Je vais faire ça, tiens. Je vais pêcher aussi et je vais améliorer mes armes à ce... Oh oui, quelle bonne idée. Je vais essayer d'améliorer mes armes. Donc je vais casser beaucoup. Alors, on va casser là aussi. De toute façon, j'ai le temps, clairement. C'est peut-être ma dernière partie, alors autant bien la finir. Je sais qu'il faut au moins 1500 de chaque pour améliorer, donc on va faire ça. Là on est déjà à 500, c'est déjà pas mal, on a déjà fait au moins la moitié. Ah, je vais prendre mon temps, hein, les amis, là ça va être beaucoup du farming. Ben, je viens de tout casser, là par contre c'est pas bon, c'est tout pour se faire repérer ça. Mais ça a l'air d'avoir personne en plus, on va dire c'est habituel. Hop, voilà, encore. Alors, coffre, qu'as-tu à nous donner? Très bien. Très bien, très bien. Et pas beaucoup de métal, par contre. Bon, ben c'est pas très... Ça fait beaucoup de trucs. Ah non, même pas, en plein milieu nulle part. Génial. C'est la zone où j'avais fait le top 1 en plus, si mes souvenirs sont bons. Le top 1 sans kill. Alors, on est presque à 1500. En tout cas, on s'en rapproche, ça c'est sûr. Sinon, ça va vous de votre côté? Ah là là. Bon, c'est pas très divertissant, mais bon. Je me dis que autant jouer le coup dès le début. Autant jouer le coup. Ah non, on peut pas avoir plus. Ok. Ah, un peu de métal, ça va faire plaisir. Bon, allez, il va falloir y aller. Bon bah on a énormément miné. Bon. De ce côté là je sais qu'il y a les chalets. Donc on va aller par là. On va faire tout un tour complet. Et j'ai même une idée derrière la tête. Je vais prendre un bonhomme de neige. Enfin, ah bah non, je pourrais pas en prendre. Non, je pourrais pas. Si je le prends après, je vais être voyant. Bon, par contre je vais prendre ça.
espérant qu'il ne me fasse pas de bêtises. Allez, on y est presque, on est presque déjà arrivé, ça va aller très vite. Oh, descendre là. Il y a du monde qui est passé par ici. Coffre, vite, prends-le. Oh, j'ai bien fait. Ok. On aura peut-être pas besoin d'améliorer, donc j'ai peut-être miné pour rien en plus. Mais bon, c'est pas grave, au moins, on n'a rien à se reprocher. Bon, maintenant, on va monter tout là-haut et on va passer par les téléphériques. On va passer par les périphériques parce que je sais qu'il y a un chalet. Et ce chalet, c'est là où j'ai fait mon fameux top 1 sans faire de kill. Et je vais repasser par là. Donc voilà, comme ça, vous êtes prévenus. On va passer par là. Ah, ça va être chaud d'aller là-bas, non. On oublie. On oublie le chalet. Bon, je vais prendre la zone. On oublie le chalet. Il va falloir que je trouve un autre endroit. Il y a des construits à fond par ici. Non, je vais pas prendre la zone, ça va. Ok. On va dans les collines. Qui commence déjà à venir me titiller? Je suis quelque part derrière un arbre. Je me méfie. Ah, il est là, le trouflon. Et à mon avis, il n'est pas tout seul, le gaillard. Il doit avoir des camarades là-haut. Ils vont vouloir prendre le point le plus haut, c'est logique. Bon, on va pas tenter le diable. On a le temps, on a le temps. Oh! D'où c'est venu, ça? Ok, ce qui zague. Bon, cache-toi là. On va attendre. Ça fait très peur, ça. Je sais pas d'où c'est venu. Ah, Bougnoul, le retour, je l'ai vu. C'est celui qu'on avait vu tantôt de loin. Alors, il a l'air... Oh, il est occupé. Eh ben, moi, je vais en profiter. Je me casse. Je vais par là. Oh non! Qu'est-ce que c'est encore? Hein? Mais où? Mais d'où? Mais d'où? Mais il m'a pas touché. Mais il m'a même pas touché. C'est une blague. Et il est tombé, il m'a pas touché. Oh non, ça c'est dégueulasse, Oh non, c'est n'importe quoi. Il m'a pas touché, je soutiens. Il m'a touché tantôt, d'accord, mais il m'avait pas touché quand j'étais en train de le viser qu'il est tombé. Quand il est tombé, il n'a même pas tiré. Alors, il faut qu'on m'explique.
cuir, j'en viens pas. J'en viens pas. Je soutiens que je n'ai pas eu de coup de tir. Je ne sais pas comment c'est possible de mourir. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, mais non. Pas d'accord. Putain, est-ce que ça fait mal? J'étais tellement bien parti en plus. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Même lui, il s'est fait tuer, mais j'ai pas entendu coup de tir. C'est étrange. Bon, eh ben voilà les amis, c'est officiellement la dernière partie maintenant. Je viens de regarder l'heure, c'est bel et bien la dernière. Donc c'est maintenant ou jamais. Bon, on va spawner où cette fois? Moi j'ai bien envie de me tester juste là. On va aller tout là-bas dans le grand chalet. Peut-être faire une grosse bourre, mais j'ai envie de tester quelque chose. Ce chalet m'avait porté chance la dernière fois. Alors je vais aller là-bas. C'est là-dedans que j'ai fait mon top 1. Le plus embêtant, ça va être de sortir après. Ça va être autre chose. Parce qu'il y a énormément de montagnes aux alentours. Ça c'est un, et en deux, bah pour descendre, il n'y a pas forcément. Il faudra peut-être construire, monter, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir faire beaucoup de choses. Bon. Ouais, le chalet que j'ai fait le top 1, il est là-bas tout en bas. Là-bas. Et moi je vais aller là. Juste là en dessous. En espérant qu'il n'y ait personne. Ça serait parfait. Et il a l'air d'avoir personne. Je viens faire la festa. Bon, on va chercher le coffre. Oh, je suis pile limite zone, parfait. Bon, on va visiter tout le bas. Coffre, parfait. Parfait, très bien tout ça. Et je suis limite zone, donc c'est très très bien. C'est une bonne zone. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Là, c'est la sortie. Ok, ça c'est le pansement. Mais j'ai quitté donc ça. On va monter en haut alors. Ok, bon, c'est pas énorme. Et le coffre, il est... Il y en a un autre, hein, mais où? Il est là-haut. Ok, je l'ai vu. Mais pourquoi t'as avancé, mon perso? Il a avancé tout seul, lui. Normal. Il a avancé tout seul. Il s'est dit, ouais... Non, non, non. Attends. T'as presque fini. T'y es presque. Allez, dis-moi quelque chose de bon. Ok, pas mal. Ok.
Bon, on a les mid-zones. Avançons. Fiesta. On va passer par l'avant et puis on devra partir. Ok, il n'y avait rien, ça faisait, ça valait la peine. Bon, je vais pas descendre par celle-là, je vais monter tout là-haut. Voilà, là je suis dans la zone. Je vais vraiment jouer le bord zone là. Je vais pas me foirer sur cette dernière partie. Beau ça. Bon, il faudrait un sniper, ce serait parfait. Donnez-moi un sniper. Actuellement, toujours pas de sniper. Bon, les amis, je vais faire une mini pause parce que là, je ne sais plus me retenir. Je vais aller faire mes besoins. À tout de suite. Bon, me voilà de retour, les amis. Ça n'a pas pris très longtemps, mais bon, je savais plus me retenir et j'ai besoin d'être vraiment concentré, donc j'ai préféré attendre. Bon, du coup, maintenant, Misty Meadow, regardons un peu. Ok, il y a de fortes chances que ça se finisse sur Lazy Lake. Donc Lazy Lake est à combien? 632 mètres, d'accord. Bon. C'est pas tout près, hein. Bon, en attendant, on va fouiller vraiment pour voir si je n'ai rien oublié. Garde toujours en dessous des escaliers. Non. Rien, ok. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter cette fois? Ritral Row, ok. Bon, on va aller tout de suite vers Ritral Row. En restant bien en bord de zone, on va faire bien attention. Il y a un coffre là-bas. Si tu fous là-haut. Il y a un coffre tout seul. Là-bas, là-haut. What the fuck. Bon, et il faut déjà être tout là-bas. Piège. Ça, j'aime bien. Bon, pour le moment, aucun kill. Mais bon, j'ai vraiment envie de bien finir. Et peut-être d'avoir le top 1. Même si je fais pas de kill, c'est pas grave. Ne m'envoyez pas. Je tente le tout pour le tout. Beuh. Ah, du monde. Quelqu'un est passé par ici. Vérifier, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un à l'intérieur? En tout cas, ce quelqu'un à l'intérieur a oublié un coffre que je vais aller chercher. Et ça valait pas la peine d'y aller en fait. Bon. Je dois aller là-bas. Personne aux alentours. On dirait que non. Bon, on y va.
Il y a vraiment l'air d'avoir personne, mais je ne vais pas trop m'enflammer non plus. Parce que généralement, quand c'est calme comme ça, il y a déjà énormément de monde qui sont fait éliminer, donc c'est vrai que les manants, c'est les meilleurs qui sont là. Ouais, clairement, il y a quelqu'un qui a vraiment, vraiment. Qui n'a pas du tout passé prendre des coffres. Bon, là, ça valait pas la peine non plus, génial. Oh, il faudrait un sniper, manque peu ça. Si j'ai le sniper, c'est bingo. Il manque juste ça, un sniper, juste ça. Alors, va attendre que ça se réduise et après, on va aller par la droite. Je pense que c'est le mieux en hauteur. On va déjà commencer à aller tout doucement maintenant. Accroupi comme ça. On ne sait pas me voir, si jamais ils ont mis comme moi les trucs de pas. Alors il y a du stuff. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Non, pas de bazooka, pas de snipe, non, rien du tout. Ok, rien. Zéro, nada. C'est très très calme. Oui, ça va plus l'être dans pas longtemps, ça ne le sera plus à mon avis. Pas de sniper, hein. Toujours pas. Je suis dans la zone là. Je vais sortir un peu de la zone. Mais c'est pour prendre ce point-là. Personne là, ok. Y a une partie dans la zone et une qui ne l'est pas. On va en profiter. Parce que généralement, là, personne ne nous y attend. Après, il faut que je rationne les constructions. Toujours pas de sniper. Par contre, une arme bleue. Ça fait plaisir. Ok, il reste 10 personnes en plus de moi. Nous n'avons toujours pas de sniper, c'est inquiétant par contre. Il y a quelqu'un en bas. Putain, il n'y a pas de sniper, écoute, il y a la grosse popote, ça je vais te la prendre. Je vais me cacher n'importe comment. Il me manque juste ça. Hein. Si j'ai un sniper, je peux faire quelque chose de bien, mais là. Ah, c'est le gars qui était en bas. Je sens que je vais le croiser. Et là, je suis dans la zone en fait. Je rentre là. Et maintenant, on va attendre un petit peu. Bon, un peu d'ordre. Voilà. Bon. On va attendre un peu. 9 personnes. Ok. Bon. Pas de kill. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ok. Donc, ils sont tous en train de se fighter, mais ils sont là-bas.
j'ai pas de sniper, ça, ça m'embête. Sauf je pourrais tenter de loin, mais bon. Elle se termine. La zone elle est au-dessus, d'accord. Ouh là 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 là. Ouh, j'attends, fais gaffe. Pas bouger, pas bouger. Il va aller droit sur l'autre. Fuck, l'autre il a pris la hauteur. C'est ce qu'il va faire. Il va faire ce que j'avais pensé. Bon ben Fla, avance prudemment. Faut que je fasse gaffe, il y en a un en haut. Une personne, ok. Quatre personnes. Ouf, ça devient tendu. Ok, on va aller là-bas. Dites-moi. Fuck, lui, il est là. Oh non! Je l'ai eu, et la sniper! Oui! Allez! Ok. Bah écoutez, maintenant je vais me mettre tout en haut. J'ai ce qu'il faut. Allez! On va se construire une fucking base. Il reste 3 personnes. Yes, j'ai le point le plus haut. Va arriver pour me fighter. Non, même pas. J'en ai encore 5. Hein. J'ai bien piégé ma petite base là. Ok, ils sont là. Mais quelle pièce douille! Pourquoi t'es parti toi, mon personnage? Oh, oh le bug de l'infini! C'est pas possible! Stop! Tu ne bouges plus! Sont où? Il en reste plus qu'un. Il est où? Il est où le dernier? Ben, il est où? Là.
magnifique. Oui. Oh, désolé, je vous ai cassé les oreilles, mais il est beau celui-là, j'ai été le chercher. Yes, troisième top 1, et celui-là, il est beau. J'ai été le chercher au trip. Yes, yes, yes. Oh, les amis, magnifique. Le troisième top 1 de la chaîne, et celui-là, il est clean, sans discussion. Yes. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh, oui. Alors, danse. Oh, flûte, je voulais mettre une danse. Raté, trop tard. Yes, les amis. Voilà, troisième top 1, ça y est, on a le 20e top 1 de la chaîne et le deuxième de ces 24 heures top 1. Oh, que c'est magnifique, oh, que c'est beau, oui, oh, que magnifique, quelle belle manière de conclure cette vidéo, oh, que c'est magnifique. Oh là là, que c'est magnifique, les amis, ce qu'on vient de faire, on vient de le faire. Oh, qu'il est beau ce top 1, oh, j'ai été minutieux et franchement, c'était magnifique, parfait. Bon, et bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas. N'oubliez pas de balancer un maximum de likes et en plus pour montrer que vous avez surkiffé ce top 1, pour montrer votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. J'ai envie, les amis, qu'on fasse péter cette barre de pouces bleus, qu'on atteigne les 100 abonnés pour les 1 an de la chaîne. Je compte sur vous. Allez, ciao ciao les amis et surtout n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore. Oh yeah, oh je suis en joie. Vous savez quoi? Solo gratte. Ciao ciao les amis. Top 1, top 1, j'ai fait un top 1, ouais. Oh, qu'est-ce que c'était bon ça.